La tenue des cérémonies d'ouverture et de clôture de la Mongolie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont fait sensation sur Internet depuis leur dévoilement la semaine dernière. Ces tenues comprenant des gilets finement brodés, des robes plissées et des accessoires inspirés des habits traditionnels sont l'œuvre de Michel et Amazonka, une marque basée à Oulan-Bator qui crée des vêtements de couture et de prêt-à-porter exprimant l'essence de la tradition et de la culture mongole dans une lumière contemporaine. Les designs intègrent les couleurs nationales, bleu, rouge et blanc, ainsi que les divers motifs et symboles traditionnels, y compris le symbole Soyombo, présent sur le drapeau du pays. Ces tenues ont été présentées via une série de photos élégantes et une vidéo rappelant une campagne de mode de luxe. Les tenues des athlètes féminines sont agrémentées de boucles d'oreilles cérémonielles et des sacs brodés, tandis que les porte-drapeaux masculins porteront un chapeau d'archer, une ceinture et des bottes traditionnelles mongoles. Chaque tenue a demandé en moyenne 20 heures de travail. Selon le Comité National Olympique Mongol, les uniformes ont attiré l'attention sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où les commentateurs de mode et de sport ont applaudi les designs. Ils ont déjà remporté les Jeux Olympiques avant même qu'ils ne commencent, a déclaré le rédacteur de style Ryan Heap dans une vidéo visionnée plus de 2 millions de fois. Alors toi, quelle est ta tenue préférée? Est-ce que t'aimes celle des Mongols? Dis-le moi en commentaire.